Merci de votre accueil. Nous sommes très contents de jouer ici en Chine. La réponse, ça c'est le projet de Monaco. Le projet de Monaco, c'est un projet qui achète beaucoup de jeunes pour faire développer. Et il continue, ne pas seulement les dernières. Ça, les dernières 5 années, c'est comme ça. Nous avons 7 jeunes joueurs et normalement 2 ou 3 ans, c'est les années qu'ils ont besoin pour arriver à un bon niveau. Ça s'est passé avec Lemar, avec Bakayoko, avec Bernardo Silva, Kylian Mbappé. Tous ces joueurs restaient 2 ou 3 ans au club pour progresser. Falcao, c'est dehors de le match, il fait seulement 4 entraînements et nous n'est pas à prendre les risques d'un joueur comme lui. Il s'est blessé maintenant parce qu'après mois d'août, nous avons beaucoup de matchs. Il n'est pas le moment. Après, deuxième question, le système. Nous sommes une équipe qui a une idée de jeu, indépendamment du système de 3-4 arrières, l'important c'est l'idée de jeu. Nous travaillons les deux systèmes, nous travaillons notre 4-3 avec un attaquant et un joueur soutien. Nous travaillons aussi un peu cette 3 arrières. Demain, on va prendre la décision. Bien sûr que c'est déjà pris la décision, mais demain, vous allez voir.